أحيل الكلمة إلى السيد أنطونيو ليحدثكم عن عدم دستورية القانون وعن أن القانون هذا مخالف لروح ولفلسفة العدالة الانتقالية تبقى ما نظمها القانون عدد 53. تفضل السيد أنطونيو. Merci Amor. Bonjour à toutes et à tous. Je vais, dans les temps qui m'est imparti, je vais essayer d'être assez rapide, comme l'a été Amor. Je vais essayer de détailler et de définir pourquoi cette loi rentre en contradiction avec la Constitution tunisienne. Je partirai quand même d'une... Pour rappel, mais je pense que depuis un an, tout le monde a eu malheureusement l'occasion de se pencher sur cette loi. Mais rappeler en tout cas qu'est-ce qu'elle va comporter si jamais les projets de loi étaient adoptés. Je rappelle d'ailleurs qu'actuellement, peut-être en ce même moment, la Commission de législation générale est en train d'auditionner la partie initiatrice, c'est-à-dire la présidence, sur les projets de loi. Donc les travaux parlementaires... malheureusement, se poursuivent. Donc, le premier aspect qui m'intéresse de souligner, c'est les objectifs qui sont affichés dans la loi, son article premier, dans sa version actuelle, qui me semble intéressant de tenir en compte pour comprendre la contradiction qu'il y a entre l'objectif affiché et les mesures que la loi elle-même comporte. La loi, elle dit qu'elle a comme objectif principal celui de la mise en place d'un climat favorable à encourager les investissements, relancer l'économie nationale et améliorer la confiance dans les institutions étatiques. Donc des objectifs extrêmement louables à l'article premier. Qu'est-ce qu'il instaure la loi ? Trois mesures spéciales qui ont déjà été rappelées, mais sur lesquelles je vais mentionner rapidement pour que tout le monde soit conscient des objectifs véritables de la loi. Donc, une première mesure spéciale est celle de l'introduction d'une amnistie au profit des fonctionnaires et autres personnels d'État, non pas forcément très bien définis, pour des actes relevant de corruption et de malversation financière qui n'aurait pas bénéficié directement de ces actes, donc pas pour un intérêt personnel. La deuxième mesure spéciale, c'est l'amnistie pour les auteurs d'infractions d'échange. Et la troisième, et ce qui nous intéresse peut-être le plus, c'est la possibilité pour ceux qui ont profité, par contre, d'actes de corruption à des fins personnelles, de solliciter une forme de réconciliation. Alors, pour ce faire, la loi prévoit la création d'une commission spéciale, sur laquelle on reviendra sans doute, qui est censée, sur la base de volontariat des personnes et sur la base des informations que ces personnes auront données à la commission, établir la somme que ces personnes sont censées reverser à l'État. On y reviendra sans doute parce que c'est quand même un enjeu très important. Alors, je viens maintenant au pourquoi j'oublie de dire, mais ça sera dit sans doute par mes collègues, que la loi abroge aussi toute disposition relative à la corruption financière au détournement de fonds publics mentionnée dans la loi qui instaure la justice transitionnelle. Ça veut dire qu'elle extrait les questions de corruption du mandat de l'instance Vérité et Dignité. Alors, pourquoi ce projet de loi est inconstitutionnel ? Il faudrait sans doute relire les préambules de la Constitution elle-même, dans lesquels les constituants ont affirmé clairement que l'esprit de cette nouvelle Constitution était la rupture avec l'oppression et la corruption. Et pour cause, évidemment, quand on s'intéresse à comprendre les origines de la révolution de 2011, il y a forcément un lien intrinsèque très fort entre les systèmes d'oppression qui étaient mis en place et la possibilité pour une petite élite de pouvoir s'accaparer les ressources du pays. Donc on est forcément sur des questions qui doivent être prises en compte dans les traitements de la justice transitionnelle. Mais après, quand on va regarder plus en détail certains articles de la Constitution, on retrouve l'article 10 dans lequel les constituants ont clairement dit que l'État a la responsabilité de contrecarrer la corruption.
En l'espèce, ça va de soi, cette loi ne semble pas véritablement contrecarrer la corruption, en le sens où elle ne prévoit aucun véritable assainissement des institutions. Le fait que des fonctionnaires qui ont été parfois même jugés coupables d'actes de corruption, ils puissent rester à leur poste, bien évidemment, va à l'encontre du principe d'assainissement des institutions et des réformes véritables. Au contraire, la loi ne fait que maintenir finalement en place des fonctionnaires qui ont contribué à des faits de corruption. Et ensuite, comme Amor l'a cité à juste titre, la question de la justice transitionnelle est clairement expressément citée dans la Constitution tunisienne, à l'article 148, et à son alinéa 9, la Constitution dit clairement que l'État s'engage à appliquer les systèmes de justice transitionnelle dans tous les domaines et dans les délais prescrits par la législation qui s'y apporte. Alors, dans tous les domaines, est très intéressant, parce que nous avons déjà là une première entorse que ce projet de loi porte à la Constitution, qui est celle d'extraire finalement la question de la corruption du domaine de la justice transitionnelle. Ce qui est d'ailleurs absurde par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à savoir les systèmes de corruption et d'oppression qui étaient mis en place, finalement, elles visaient à l'enrichissement personnel d'une petite partie du pays. Plus largement sur les questions de justice transitionnelle, cette loi, en arrêtant toute poursuite et toute enquête sur des personnes qui se seraient entachées de corruption, finalement ne permet pas les points principaux, les objectifs principaux d'un processus de justice transitionnelle, et en particulier celui de la révélation de la vérité, de la justice et les réparations pour les victimes et la non-répétition. Alors la non-répétition, elle est très importante, la caractéristique sans doute principale de la justice transitionnelle, mais qui nécessite des réformes fondamentales dans l'État. Et quand nous savons que la corruption qu'engraine les systèmes étatiques depuis sans doute des décennies, nous ne voyons pas comment cette loi elle peut rentrer dans le cadre d'une justice transitionnelle qui vise la réforme et la non-répétition. Du coup, en octroyant une amnistie générale à des fonctionnaires et des agents d'État et en supprimant toute disposition de la loi de justice transitionnelle permettant de pouvoir s'enquérir de l'information, cette loi finalement va empêcher à tout citoyen tunisien de pouvoir avoir accès à l'information et à la vérité sur comment les systèmes s'entretenaient pendant des décennies. Et ça, c'est extrêmement grave si on veut effectivement tourner la page. Elle empêche aussi l'exercice de la justice, parce que l'amnistie met fin aux poursuites en cours et même à celles à venir. Elle empêche la reconnaissance des victimes. Dans aucun alinéa, dans aucune petite phrase de cette loi, nous retrouvons le terme « victime ». La victime n'existe pas, comme s'il n'y a pas de victimes des cas de corruption. Tout un pays, finalement, est une victime d'une corruption institutionnalisée et empêche la réforme des institutions et la réalisation des garanties de non-répétition. Vous le comprenez très bien, ces personnes vont rester en place et donc forcément il y aura certainement des résistances, voire des réticences à des réformes d'envergure. J'aimerais quand même qu'on s'arrête une minute sur la question de comment ça devrait fonctionner cette commission, parce que ça semble assez intéressant. Alors, la commission qui les projets de loi instaure, elle serait sur la base du volontariat des personnes censées établir les sommes que ces personnes devraient verser à l'État. Alors, il faut quand même qu'on comprenne que cette commission, elle a aucun véritable moyen qui lui est accordé par la loi. Est aussi une instance
dont l'indépendance pourrait être mise en question parce qu'elle est placée directement sous l'exécutif, composée sur 8 membres, 6 seraient des fonctionnaires de l'exécutif, et elle n'aurait aucune capacité d'enquête ou d'initiative. Donc ça veut dire qu'en fait, si j'étais une personne corrompu, je pourrais finalement déclarer volontairement à quel moment et combien de malversations financières j'ai faites, et sur la base de mes propres autodéclarations, la commission va décider de combien de quelle somme je devrais verser à l'État. Donc, cela est particulièrement important, à mon sens, pour contrecarrer un des arguments principaux de ceux qui ont proposé cette loi, qui est celle de la relance économique et du retour à l'investissement. Parce qu'en réalité, il est impossible aujourd'hui d'estimer véritablement combien d'argent pourrait arriver, justement parce que on a déjà, il n'y a aucune étude sérieuse qui a été menée en la matière, et de deuxième, la loi ne prévoit aucun mécanisme de contrainte pour enquêter sur les véritables sommes. Et donc finalement, on aura certainement des entrées qui seront sans commune mesure avec l'argent qui a été volé dans le passé. Donc, inutile de dire que la relance économique, elle passera sans doute pas par une loi de ce type-là. Et si je reviens en conclusion à ce qui sont les objectifs affichés de la loi, à savoir également les retours aux investissements, quel message voulons-nous lancer aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux? Dans quelle mesure une amnistie pour corruption peut permettre les retours des investissements, à moins que nous ne veuillions pas que ce soit ces mêmes corrompus qui reviennent investir? Parce qu'à ce moment-là, je ne comprends pas en quoi on encouragerait des investisseurs étrangers ou même nationaux en sachant que les systèmes de corruption restent en place, et qui s'entache de corruption peut bénéficier de toute impunité. Donc on est... Et en troisième lieu, et pour terminer sans doute sur cela, la confiance des citoyens vis-à-vis de l'État, qui est aussi ciblée par la loi. Alors là aussi, on ne voit pas trop bien les liens entre le fait que des personnes qui se sont entachées des faits de corruption et d'autres types de malversations financières restent en place, que ces citoyens aient encore à faire face à une administration, à des fonctionnaires qui ont été là pendant des décennies. Ça manifeste plutôt un signal de non-rupture avec le passé qui ne peut sans doute pas encourager les citoyens à s'adresser à l'État ou à lui faire toute forme de confiance. Voilà pourquoi cette loi est, à notre sens, dangereuse, voire inutile, et sans doute... il faut que les citoyens, tous citoyens tunisiens et tunisiennes, puissent savoir que cette loi n'apportera rien de bon au pays et à sa transition. Si je dois me focaliser sur 4 petites recommandations à notre niveau, mais qui sont sans doute partagées par l'ensemble des acteurs, il y en a une qui concerne sans doute la société civile. Là, on y est, on est tous là, et je pense heureusement qu'il faut qu'on continue à l'être, en évitant toute forme de différence, toute forme de dissension. Nous avons besoin d'organiser une forme de résistance à ce type de loi et à ce type d'acte, et porter soutien aux organisations qui font l'objet aujourd'hui d'attaques importantes. Je pense à iWatch, par exemple. On est sous les mêmes sujet, ça montre que rien n'a changé, que les faits de corruption sont encore très présents en Tunisie et continuent à gangréner l'économie du pays. Et nous devons d'être fiers de ces organisations-là et de les soutenir. Je pense aussi au fait que la société civile organisée, comme nous, devons être plus proches du terrain, plus proches de la mobilisation de la rue. Et je pense que vous savez tous qu'aujourd'hui, à 17h30, il y aura une manifestation sur ces mêmes thèmes. Donc, être proche des mouvements sociaux est très important pour créer du lien. L'exécutif, sans doute, a des responsabilités énormes. Il faut qu'il prenne en compte le fait qu'il est
sans doute en train de décevoir ses propres citoyens par rapport à ses besoins et cette demande de rupture qui s'est exprimée de manière extrêmement forte en 2011 et qui a suscité l'admiration internationale de tout pays, parce que on était sans doute tous ravis de voir un pays se mobiliser contre un héritage dictatorial, et aujourd'hui la population ne voit rien changer. Donc retirer cette loi serait un acte sans doute extrêmement apprécié par la société civile et par les citoyens. Les parlementaires ont une responsabilité historique aujourd'hui de ne pas voter cette loi, d'arrêter même toute forme de travail sur cette loi. Et enfin, un acteur auquel on ne pense pas forcément, mais qui doit aussi regarder ce qu'il se passe, c'est les bailleurs internationaux. Tous ces acteurs qui travaillent, qui ont des partenariats institutionnels et étroits avec la Tunisie et qui veulent l'accompagner vers la transition et le respect des droits dans les pays et la construction de l'état des droits. Il y a une conférence qui s'organise pour négocier les financements des bailleurs sur les financements du plan quinquennal de développement qui a été adopté, qui a été proposé par le gouvernement. Eh bien, les bailleurs, ils doivent aussi tenir compte de ce type de loi, de ce type d'action politique, parce que forcément, ça va porter atteinte au développement économique de tout un pays si les questions de corruption ne sont pas correctement traitées et font la priorité du pays. Je vous remercie. Merci Antonio, tu as eu des applaudissements, je n'ai pas eu. On va te donner la nationalité tunisienne. De toute façon, tu as été plus éloquent que moi. Tu as été plus éloquent que moi. Je passe la parole à Abdelkrim Abdeslam qui va nous parler de la victime.